nous vous remercions. Prochaine question, s'il y en a rapidement. Ok. Une dame pouvait poser une question. Ok. Alhamdulillah. Alors, on parle comme on le rappelle. Là, le jeudi prochain, nous ne serons pas là. Voilà, jeudi prochain, nous ne serons pas là. On part pour Abangourou. La cité royale, c'est Abangourou, acte 2. L'année passée, nous étions là. Cette fois-ci, Inch'Allah, on sera là. Et lendemain, 27, nous serons à Anyansoué. 28 mai, on retourne à Abangourou. 29 également, au château à Abangourou. Et puis, on retourne pour nous préparer pour tout maudit. Donc, jeudi prochain, nous ne serons pas là, par la grâce d'Allah. Bismillah. Question. Bonsoir. Bonsoir, madame. Moi, c'est Gentil Evelyne. Voilà, c'est ma première fois de venir. C'est un musulman qui m'a envoyé ici. D'accord. Voilà, moi, je suis chrétien catholique. Voilà. Je vous ai écouté sur les réseaux sociaux. D'accord. Et vraiment, ça m'a touché. Voilà, c'est à cause de ça que je suis venue pour la première fois ici. D'accord. Voilà. Nous qui sommes catholiques, vous pensez que nous sommes dans l'ignorance? Parce que nous avons pris maman Marie, Jésus, parce que pour nous, Jésus est le Messie. Et maman Marie est sa mère. Donc, que pensez-vous? Pour nous, nous sommes dans l'ignorance. C'est ma question ce soir. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ma soeur, nous n'avons pas le droit de dire que vous êtes dans l'ignorance. Matthieu chapitre 7, verset 1er, la Bible déclare, par ton jugement tu seras jugé. C'est pas à nous de juger. Nous ne faisons que transmettre la parole de Dieu qui est biblique et coranique. Vous êtes catholique, nous on vous respecte. Nous nous disons, il faut que nous nous mettons ensemble pour revenir vers le véritable Dieu qui nous a demandé, sinon qui nous a créé et nous demande de l'adorer. Maman Marie elle-même n'était pas catholique. Son fils n'était pas chrétien, ni évangélique, ni protestant. Maman Marie, de la manière elle s'est voilée là, le Coran et la Bible confirment cela. Moi, la chose que je veux demander à la sœur, lorsque ma sœur dit la prière, par exemple, dans la prière de la Sainte Marie, c'est-à-dire Sainte Marie, Mère des dieux, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quand vous dites Sainte Marie, la maman des dieux, alors que nous savons très bien, humainement parlant et spirituellement parlant, Dieu ne peut pas avoir une maman. Nous n'avons jamais existé avant notre maman. C'est notre maman qui a existé avant nous. Et Dieu qui a créé les cieux et la terre, nul n'a existé avant. Et après lui, nul n'existera. Comment peut-il avoir une maman? Seulement dans Luc chapitre 1, verset 26 jusqu'à 40, il est dit la mère de mon Seigneur. Et dans le mot Seigneur ici, on dit Jésus-Christ. On dit Jésus-Christ est Seigneur. Donc c'est sa maman qui est Marie. Maman Marie n'est pas la mère de Dieu. Elle est la mère de Jésus, ça fait un. Ma soeur, le livre sur la terre qui honore Maman Marie, que tous les livres saints, c'est le Coran. Pourquoi? Le chapitre 19 du Coran est intitulé Maman Marie, sinon Myriam. Un titre spécial pour Maman Marie dans le Coran. Elle n'a pas une fille qui lui est dédiée dans la Bible. Ça fait un. Deuxièmement, Maman Marie, son papa s'appelait Imran. On trouve cela dans la Bible également, mais on l'appelle dans la Bible Amram. 1 Chronique 6, verset 3. 1 à 3. On l'appelle Amram. Le Coran dit, Maman Marie, elle est au-dessus des femmes des mondes. C'est pourquoi l'islam nous dit, nous devons non seulement respecter Maman Marie et son fils Jésus, qui est le Messie, certes, comme tu l'as dit, mais il est le Messie seulement qu'aux enfants d'Israël. Matthieu 15, 24, surat 3, verset 49 à 50, le confirme. On va lire une surat dans le Coran concernant Maman Marie. Tu verras ce que le Coran dit de Maman Marie, surat 3, verset 42 et suite. Et tu vas prendre la parole, Inch'Allah. Surat 3, 42. Le peuple préparé, surat 19, verset 17. Et suite. Un prend sur la 3, 42, l'autre prend sur la 17. Sur la 19, 17, 17, 17 et suite. Sur la 3, 42 et suite. Sur la 3, verset 42. Oui. Rappelle-toi. Rappelle-toi, Muhammad, sur la salam. Quand les anges dirent. Lorsque les anges ont dit. Oh Marie. Oh Maman Marie. Certes, Allah t'a élu.
Non seulement Allah t'a élu au-dessus des femmes du monde. Il n'a pas dit les femmes du monde. Les femmes des mondes. S'il y a autre monde là, Mars, Jupiter, elle est au-dessus des femmes du monde. Continue. Ô Marie. Obéis à ton Seigneur. Non seulement Allah n'a pas dit obéis à ton fils. Obéis à ton Seigneur. Prosterne-toi. Ah, Allah n'a pas dit faut danser, faut chanter. Prosterne-toi. Et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Incline-toi avec ceux qui s'inclinent là. Tu les vois non là. Va t'incliner et prosterne-toi avec eux. Continue. Ceux-là sont des nouvelles. Ce sont là. Ce sont là plutôt des nouvelles. Tiens. Là, faut pas faire ça. Tiens. Faut pas regarder. Ce sont là. Voilà. Des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Voilà. C'est là que Mohammed, on te révèle ça. Car tu n'étais pas là lorsque j'étais leur calme. Lorsqu'ils étaient leur calme. Tu n'étais pas là lorsqu'ils étaient en train de tirer au sort. Maman Marie était tellement belle. Elle est tellement belle. Il y a eu débat. Qui va être son parrain? Moi, je vais être son parrain. Il y a eu débat. Donc, on dit tirage au sort. Allah dit, mais en ce moment, Maman n'était pas là, mais il te raconte ça. Pour décider qui se chargerait de Marie. Qui allait se charger de Marie? Le sort est tombé sur Zacharie, le père de Jean-Baptiste. C'est lui qui était le tuteur de Maman Marie. Continue. Tu n'étais pas là non plus. Tu n'étais pas aussi là. Lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi encore une fois. Quand les anges dirent. Lorsque les anges sont venus dire à Maman Marie. Ô Marie. Voilà qu'Allah t'annonce. Voilà que Allah t'annonce. Une nouvelle de sa part. Une nouvelle de lui sa part. Son nom sera Al-Masih. Allah n'a pas dit, il va te donner un enfant comme ça. Allah s'adresse aux intelligents, ceux qui veulent. Allah t'annonce une nouvelle de sa part. Son nom sera Al-Masih. Al-Masih, Mashiach, Yeshua, Hamashiach, le Messie. Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, le Messie. Issa. Fils de Marie. Allah précise, Jésus n'a pas de père. C'est pourquoi on l'appellera même au jour du jugement dernier par le nom de sa maman. Fils de Marie. Jésus, fils de Marie. Vas-y, frère. Jésus est illustre ici-bas. Comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah. Il est parmi les rapprochés d'Allah. Alors que quelqu'un qui est rapproché du président de la République, c'est pas n'importe qui. Hein? Exactement. Donc voici un peu, il y en a tellement. Et c'est pas tout. Allons, 17 et 18, tu prends là-bas. Allons-y pour la suite rapidement. 19, 17 et 18. Elle mit entre elle et eux un voile. On dit, elle a commencé à mettre entre elle et eux un voile. C'est-à-dire là, le Coran est en train de raconter l'histoire de la naissance de Jésus dans les moindres détails. Là, dans les détails les plus clairs, les plus limpides qu'ils soient. Écoute bien. Vas-y. Elle mit entre eux et elle un voile. Puisque Marie, femme qui n'avait jamais connu d'homme, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle n'est pas tombée enceinte devant les gens. Si elle était tombée enceinte devant les gens, elle allait commencer à vomir devant eux. Ils allaient prendre la quai à quelque chose. Elle allait demander, mais hey, ça quoi? Elle s'est retirée. Le Coran dit, elle s'est retirée dans un endroit éloigné de sa famille. Elle était seule dans cet endroit-là. Vas-y. Nous lui envoyâmes notre esprit Gabriel. C'est là maintenant, Dieu va envoyer l'ange Gabriel vers Marie. Vas-y. Qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait. Vu qu'il ne peut pas se présenter à elle sous la forme angélique, il l'a pris la forme humaine pour s'adresser à Marie. Vas-y. Elle dit à l'homme là. Je me réfugie contre toi. Auprès du tout miséricordieux. Si tu es pur, mon frère, ne m'approche pas. Faut pas me toucher. Moi, je ne connais pas garçon, donc faut pas me toucher. Vas-y. Il dit. L'ange dit. Je suis un messager de ton Seigneur. Pour te faire don d'un fils qui est pur. Regardez bien. Quand les chrétiens entendent ça, ils sont contents. Le Coran dit que Jésus est pur. Mais ils disent, nous les musulmans, il ne faut pas en parler de Jésus. On parlait bien. Mais en bien. Il est pur. Le Coran dit qu'il est pur. On te fait don d'un fils qui est pur. Vas-y. Elle dit. Comment aurais-je un fils? Mais comment j'aurai un enfant? Alors qu'aucun homme ne m'a touché. Vas-y. Et je ne suis pas prostitué. Moi aussi, je ne suis pas dans Coquilla où il ne fait pas ça. Allons-y. Il dit. L'ange maintenant dit à Marie. Ainsi sera-t-il. Cela m'est facile. C'est facile. A dit ton Seigneur. Vas-y. Et nous ferons de lui un signe. L'enfant là, on fera de lui un signe. Pour les gens. Et une miséricorde de notre part. Et il sera une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. L'affaire là, c'est Kamakos est décidée. C'est un enfant qui va naître. C'est une décision de la part de Dieu, c'est fini. L'enfant, c'est ça que les autres ont commencé à adorer.
bébé là, les gens disent que c'est Dieu qui est là. Or, il y a quelque chose de très important par la suite. Je veux qu'on lise d'abord dans la Bible, Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 14 et suite, si je m'abuse. Il y a quelque chose que maman, les catholiques ont fait. Ils ont la Bible, mais il y a un élément qui les a échappés. Et ça, c'est vraiment préjudicieux pour eux. Voilà pourquoi nous, on veut que tu écoutes la partie là. Et puis toi-même, tu vas t'asseoir, tu vas réfléchir, tu vas dire, ce qu'ils ont dit là, c'est pas faux. Vas-y, lève-tu. Deutéronome 4, à partir du verset 14. Oui. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner tes lois. Écoute bien, Moïse dit, en ce temps-là, Dieu m'a ordonné de vous enseigner ses lois. Lui, ses lois. Vas-y. Et des ordonnances. Et ses ordonnances. Afin que vous les mettiez en pratique. Ce que je vais vous dire là, vous devez mettre ça en pratique. Vas-y. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Dans le pays dans lequel vous serez là, vous devez mettre ces choses-là en pratique. C'est très nécessaire pour vous. Vas-y. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parlera du milieu du feu. Moïse rappelle à ses enfants, aux enfants d'Israël, le jour où Dieu vous a parlé du milieu du feu, là, vous n'avez pas vu son visage. Donc là, qu'est-ce que vous devez faire? À Horeb. Oui. Veillez attentivement sur vos âmes. Dieu dit aux enfants de veiller, et Moïse dit plutôt, veillez attentivement à vos âmes. Pourquoi? De peur que vous ne vous corrompiez. De peur que vous ne vous corrompiez. Et que vous ne vous fassiez une image taillée. C'est-à-dire, quiconque va faire une image taillée a corrompu son âme. Regarde la corruption de l'âme. Regarde comment ça va commencer. Dieu va citer ce que c'est que la corruption de l'âme. Si tu te retrouves dans ça, tu sais en même temps que ce n'est pas bon. Continue la lecture. Une représentation de quelques idoles. Dieu dit, faut pas, on va faire une représentation de quelques idoles. Vas-y. Figure d'un homme ou d'une femme. Faut pas, on va faire statue d'un homme ou d'une femme. Stop. Question. À l'église catholique, là, il y a statue d'homme ou il n'y a pas statue d'homme? C'est une sœur, s'il vous plaît, soyez un peu galant. Voilà. Soyez un peu galant. Elle a dit, elle veut comprendre. Les célibataires là. Ma sœur. Mais la statue, c'est pour représenter voilà. Jésus. Très bien, donc reprends la lecture. Qu'est-ce que la Bible a dit? Tu ne te feras. Et de peur que vous ne corrompiez. Vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles. Dieu dit, on ne fait pas des représentations. Non seulement de quelques idoles, vas-y. La figure d'un homme ou d'une femme. Dieu dit, il ne faut pas faire représentation. Parce que si tu essaies de représenter quelque chose, est-ce que vous l'avez vu pour le représenter? Il faut voir quelqu'un pour le dessiner. Mais vous ne l'avez pas vu. Qu'est-ce qui prouve que la statue là, c'est lui? Donc Dieu dit, ne faites pas ça. Si vous faites ça, vous allez corrompre votre âme. Voilà pourquoi il dit, faites attention. Les représentations sont des choses qui vont corrompre ton âme. Parce que tu vas penser que c'est la chose là qui est là. Je me rappelle une fois, nous on était à la maison. Il y avait une photo de Jésus qui était dans notre salon. On regardait la télévision, un coup c'est tombé. Bouf. On dit, c'est gâté. Chacun a commencé à prier. Le feu dans la maison à ce jour-là. Parce que juste la photo est tombée. Parce que nous, pour nous, Jésus ne peut pas tomber quoi. C'est pas simple. S'il est tombé, c'est qu'il y a eu quelque chose. C'est ça, on a corrompu notre âme. C'est ça la corruption de l'âme. Et les gens, beaucoup ont ça dans la maison, pensant que c'est Jésus qui est là-bas. Un Jésus aux yeux bleus, beaucoup de cheveux. Joli garçon comme ça. Vous l'avez vu où? Pour le représenter comme ça. C'est pas bien. Dieu dit, ne faites pas ça. Qui vous a dit que jusqu'à l'acteur, lui qui a tourné le film là, il m'est fatigué. Brian Diacon. Il dit pardonnez, c'est pas Jésus. J'ai tourné un film. On dit il manque. Tu es Jésus. Tu es Jésus aujourd'hui, tu es Jésus demain. Également. Donc ma soeur, c'est ça le problème. Il ne faut pas représenter des choses. Et ça, c'est la Bible qui dit, c'est pas nous qui le disons. Donc nous, ce qu'on peut dire, c'est que en rien, nous n'avons un problème avec les gens qui sont de confession catholique. On n'a pas de problème. Sauf que la Bible dit, ainsi que le Coran, qu'il faut revenir à ce qui est primordial, l'adoration d'un Dieu unique, et puis observer ses lois et ses recommandations. Voilà pourquoi il parlait du Coran. Et le Coran est le seul livre qui est rentré dans les moindres détails. Si on continue la lecture, non, je te jure que quelque chose va te toucher. Parce que tu vas voir comment est-ce que Jésus est né et qu'est-ce que Jésus a fait pour la première fois comme miracle dans le Coran. Jésus a parlé pour défendre sa maman. On dit, voici étant le premier bébé, étant bébé, dans le verso. Le miracle de Jésus. Or ailleurs, on dit Jésus a transformé l'eau en vin. Jean chapitre 2, verset 1 à 10. Merci ordinateur.
et il avait là 30 ans. On dit que c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère et c'est là qu'il a commencé son premier miracle. Alors que dans le Coran, depuis bébé, il a commencé son miracle. Donc le musulman n'a aucun problème avec les catholiques. On n'a aucun problème. Sauf que peut-être on n'a pas la même foi, on n'a pas la même croyance. Et nous, on vous invite à devenir musulman. Non. Vous n'avez rien perdu. Au contraire, vous avez gagné plus. C'est-à-dire, vous allez adorer le véritable Dieu et connaître le véritable Jésus et la véritable Marie. Parce que si le Coran disait, regarde, le seul verset du Coran, ça fait chaos tout le monde. Il dit, Marie est la femme qui sera élue au-dessus des femmes des mondes. Et les gens disent, par contre, on entend les autres disent que Marie n'était qu'un simple canal. Un canal. C'est-à-dire que tellement qu'ils veulent que Jésus soit Dieu forcé là. Ils disent que Jésus est Dieu, mais Marie n'est pas sa maman. Marie est son canal par lequel il a parlé. Il n'a pas appelé mère, il a appelé femme. Et c'est à nous, on les demande où. Pourquoi Jésus là, pour venir, n'est pas passé par ta maman? Et puis c'est par Marie il est passé. Les gens ont un problème. C'est qu'elle n'est pas n'importe qui. Pourquoi dans toutes les femmes qu'il y avait en Israël là, c'est Marie? Qui est-elle? C'est-à-dire, vous aimez l'enfant, vous n'aimez pas la maman. Vous adorez l'enfant, vous ne voulez pas adorer la maman. Et vous refusez que maman Marie soit la mère de Dieu. Pourquoi? Mais son enfant est Dieu. Son enfant est Dieu. Tant que son enfant restera Dieu, elle est la maman de Dieu. Bien. N'était Allah et n'était Allah Bamjou, ça c'est quoi? C'est mon enfant. Il est son enfant. C'est la maman de Dieu. Donc ma soeur, voilà un peu ce à quoi on t'invite. Donc il n'y a pas de problème, on n'a aucun problème. On ne juge pas, sauf que les écritures témoignent en notre faveur. Les écritures même sont là pour juger. Ouais. Sur 66, 12. Vas-y frère. Allez parler. De même. Marie. La fille d'Imran. La Bible ne connaît pas le nom de papa de Marie. Même. C'est le Coran, son papa s'appelle Imran. La fille d'Imran. Qui avait préservé sa virginité. Elle avait préservé sa virginité. Nous y insufflâmes. Naam. Alors notre esprit. Notre esprit en elle. Elle avait déclaré véridiques les paroles de elle son Seigneur. Elle a déclaré véridiques les paroles de son Seigneur. Ainsi que ses livres. Elle fut parmi les dévoués. Voilà, c'est le Coran. Et ça, c'est l'islam. Donc, nous ne sommes pas des antéchrists. Si on dit les musulmans sont des antéchrists, ils n'aiment pas Marie, ils n'aiment pas Jésus. Voilà, maman Marie, là, c'est non, maman chérie, même dans ouais, écoutez. Donc, si tu devais musulman, là, tu n'as rien perdu. Au contraire, voilà. Mais depuis, regarde un peu. Regarde la statue de maman Marie, là-bas. Là. Elle est comment? Elle est habillée comment? Elle est voilée. Attends, mais elle va répondre. Ah. Maman, quand vous arrivez à l'église, là, maman Marie, sa statue, elle est habillée comment? Elle est voilée. Et puis vous-même, vous êtes comment? Hé, hey, ma bouche, pardon. C'est un enfant. D'accord, ma soeur, voici un peu l'enseignement donné. Voilà, si vous avez d'autres questions, nous serons là jeudi 6 prochain, Inch'Allah. Jeudi prochain, on va en voyage. Et puis, bon, voilà, vous continuez de regarder les vidéos jusqu'à ce que vous soyez convaincus, parce que c'est une religion universelle. Moi, j'ai l'habitude de le dire, Jésus se prosternait pour prier. Il se levait matin bonheur pour prier. L'ablution que les musulmans font, c'est biblique. Le voile de la femme, c'est biblique. L'interdiction du porc que les musulmans ne mangent pas, c'est interdit également dans la Bible. Et même en évêche aussi, ma soeur, vous êtes d'accord avec moi que vous ne rentrez pas à évêche aussi dans votre chambre? Les musulmans ne rentrent pas à évêche aussi à la mosquée. Mais vous rentrez aussi à l'église. Maintenant, entre la chambre et l'église, là, il y a un lieu qui est saint quand même. Ça doit être la chambre. Mais normalement, ça doit être l'église. Mais bon, on dit non, c'est bon. Vous savez, il y a des choses qui peuvent être interdites islamiquement, qui n'est pas interdit chez vous. Mais Dieu l'a interdit parce que tout le monde n'obéit pas aux lois de l'éternel Dieu. Merci beaucoup d'être venu à notre forum. Si vous avez une autre question à poser, on y va. Non. Ça va? Est-ce qu'on a répondu à votre question? Beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu soit. Maintenant, si vous voulez vous convertir à l'islam aussi, c'est gratuit, c'est pas payant. Voilà. Il y a le voile, il y a le tapis, il y a le Coran français. Et puis il y a les célibataires aussi qui sont là. Ça, il n'y a aucun problème.